Voilà, je t'ai vu, très bien. Ok. Allez, c'est parti. Tu es dans un endroit miné. J'ai posé normalement des pièges qui vont te poser problème, notamment celui-là. Si tu passes à droite, celui-là. Alors, très bien. Attends, on va pouvoir récupérer ce piège parce que la palette était lâchée. Donc, je récupère celui-là. Je récupère là. Moins qu'une tentative de m'aveugler, ce qui n'est pas impossible. On a ici la cave. C'était vraiment un body block du pauvre. Hein. C'était un body block low cost en mode ouais, alors. Écoutez, je veux bien protéger, mais pas trop non plus, faut pas déconner. Je suis pas là pour me prendre un coup, d'accord? Un body, oui. Une blessure, non. Ok. C'était pas. Grand jeu de malade. J'ai ouvert deux fois le même. Hein. Très bien. Ah. Tente le diable ici. Ok. Normalement, il y a une libération qui va se faire dans pas longtemps. Hein. Voilà. Bien ça. Bien ça. Plaisir. Hop là, attention. Par contre, nous avons quelqu'un qui a... Ok, très bien. Jules. Je crois que c'est Michael. Hein. Ouais, très bien. Ok. Est-ce que c'est elle qui était accrochée ou pas? Non, c'est pas elle qui était accrochée. Si c'est elle, j'arrive même plus à savoir. Bon. Ok. Un piège qui s'ouvre. C'est elle qui était accrochée. Je regrette, je suis désolé, je suis vraiment navré. Le piège à ours s'est ouvert tout seul. Je suis vraiment navré, je voulais pas. Ok, très bien, alors. Revenons-en un peu à nos moutons. Quel autre est encore ici? J'espère que le piège va s'ouvrir là-bas, mais j'ai un gros doute. Michaela est restée en bas. Mais non. Bon, je fais ça juste pour occuper les autres. Hein. Ok. Je fais ça juste pour occuper. Je pense que elle est là. Bah attends, mais comment est-ce que t'as pu... Mais comment est-ce qu'elle a pu se libérer? Je vais pas la ramasser. Très honnêtement, je vais pas la ramasser. La pauvre, elle s'est totalement fait blesser deux fois de suite. Je vais la laisser au sol, tranquillement vivre ça, son agonie. Avant qu'elle se fasse relever, je récupère mes pièges. Pour miner tout ce qui doit l'être. Et puis tranquillement quoi. En espérant qu'il y ait quelqu'un là-bas, hein, moi je veux pas... Ah! Mon obsession. Faut que je lui donne un hit. Voilà. Ah mais en plus... Ok. Palette. Voilà. Voilà, très bien. Faut que je l'accroche. Si je l'accroche, j'ai un jeton. En théorie. Donc ça veut dire que j'ai une réduction de... 4 mètres de mon aura de terreur. Vraiment, je teste. J'aimerais bien tester plusieurs fois ce build. Nous avons un jeton. Je suis passé de 32 mètres à 28 mètres. Je me rends pas compte. Ah non, mais oh, mais reviens là.
Je vais récupérer mon troisième piège. Normalement, il est parti assez loin. Hein. Aïe, 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 aïe. Trois moteurs. Trois moteurs qui sont assez importants, là. Qui sont surtout assez éloignés. Très éloignés. Merci, Rissout. Merci beaucoup pour le prime. Merci pour les 4 mois. Welcome back. Merci infiniment. Bon, la partie, elle est pliée. Hein. Pour l'expérience, elle est vraiment pliée. Hop. Ok, on expérience. Allez, sur... Non! J'espère que... On va tout droit. Bon, ils vont faire le moteur. Mais là, pour le coup, l'idée, c'est de me prendre une palette. Non, sur le nez. Sur le nez. Envoie-moi la palette de manière plus chirurgicale, sans déconner. Pas comme ça. Je fais comment, moi, maintenant? Ouais, très bien. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Très bien, très bien. Allez, on finit le moteur, là-bas. Hein. Faut que je m'habitue un peu au... À cette combinaison. Vraiment, là, on teste. On teste vraiment cette combinaison qui cible les obsessions. Ok. Elle se soigne, mais pourquoi? Ok, elle s'enfuit par là-bas. Il y en a un. Voilà. Normalement, t'es pas toute seule. Donc, tu devrais être secouru dans 3, 2, 1, 0! Très bien, très bien. On va poser ça là. C'est toujours ça. Hein. C'est dans l'allium. On a le piège qui est assez loin là-bas. Hein. Dans le piège, la porte, elle est assez éloignée. Donc, ce que je peux faire... Ah ouais. Ça sert à rien, ce que tu fais. Voilà. Si tu fais le tour, tu te prends le piège. Hein. Ok. Tu t'es éloigné, j'ai l'impression. Te disant que c'est l'idée du siècle. En revanche... non, non, c'est bon, je m'en occuperai après. Ok, ils sont là-bas. Oh non, j'ai pas ouvert la... J'ai pas réouvert. Erreur fatale, j'ai pas réouvert le piège. En face à la porte. Je pourrais tuer le survivant. C'est vrai que j'aurais pu tuer le survivant. Avec rancœur. Je suis totalement d'accord. Mais là, je vais essayer d'utiliser ennemi juré plus rancœur. Là, par exemple. Ah, attention! Tu l'aides, c'est ça? C'est ça, tu fais un truc, là? Ok, l'autre est là. Tu vas te prendre un piège là, non? Ok. Toi, t'es tombé et toi, t'es là. Faudrait que elle. Ouais, elle fait rien du tout. Elle juste, elle s'enfuit, elle. Et ça. Parfait. Alors. Elle. Je l'accroche. Bon, tout se joue à la fin. Hein. Si elle lève,
Mon obsession, ça risque d'être problématique. Elle est ici. Donc c'est très bien, Michaela. Ok. Et si la quai était relevée par la Nea, ça va relancer la game. Si l'autre est sauvé, ça va relancer la game. Nous avons l'ouverture qui est très loin là-bas. Et elle qui ne vient pas. Je pense pas qu'elle viendra aider. Très honnêtement, je pense qu'elle viendra pas du tout l'aider. Nous avons encore des pièges ici. Qui peuvent jouer à mon avantage. Je pense pas qu'elle viendra. Je pense qu'elle est là-bas en train de... Ouais. Franchement, le retournement de situation, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, mais je pense que ça peut être encore optimisé. Je pense que ça peut être encore optimisé.